Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, distingués amis visiteurs, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Dans Psaume 84, verset 11, Psalmiste l'a déclaré, il dit, « Mieux vaut un moment dans tes pavis que mille ailleurs. » Je n'ai pas de difficulté pour accepter passage ça. Mais quand il y a, au lieu que je dis vaut mille ailleurs, multiplié par mille pour me dire, il y a un moment passé là, papa bon Dieu, vaut un million moments que je suis capable de passer n'importe l'autre côté. Ça me réalise, c'est que ici là, c'est celle côté où papa a énergie ou pour grand Messie. Ici là, c'est celle côté où papa a courage. Et puis pour mon apasso en batente metsouli, frère Maxime, yo, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Si nous permettons, ben raconter nous ce qui est passé semaine en royo. Gen pendant que te chita la kay, lam ta fait un bagay. Gen un ami qui relèm en Haïti, un ami d'Haïti qui relèm. Même te occupé, m'pa ka répondre. Zami a allé lire les miens première fois. On pas répondre parce que m'étais occupé. Lire les miens deuxième fois. On pas ca répondre. Li allé lire les miens troisième fois. On pas ca répondre. Quand y a lire les miens quatrième fois, même tout ça lire les miens après l'autre. Quand y a m'obligé quand ça m'ta faire pour qu'il t'a courir à répondre. Mais malheureusement, li allé dans un message. Quand y a zami a relé pour une cinquième fois. Pendant que pour la cinquième fois, on prend le téléphone pour parler ensemble avec elle. Premier bagage, monsieur te dit, ton alou méchant. Je dis, ça passe, ça fait méchant. Monsieur dit, ou méchant parce que ou connaît j'en situation en Haïti, j'en bagage difficile, et vous quittez moi souffre, ou quittez moi souffre comme ça, ou pas dégager pour bon mon visa. Je dis, mais c'est. Nous disons même qui j'aime pas le bon visa parce que je suis pas immigration, je suis pas ambassade, c'est pas moi qui ai le visa. Monsieur dit, non, quand vous entendez dans tous les 50 états, garçon, camarade, garçon, il faut dégager pour venir. Nous disons même comme ça, en Paris, nous disons même comme ça, bon, je suis encore parce que mon petit j'en occupé. Si je vais poser une question à ce moment-là, qui coule ça? Qui ça n'a pas dit? Nous tous d'accord, ça c'est noir, pas vrai? Mais si je vais dire ça pas noir, ça c'est blanc, ou abdim c'est menti, ma fête. Si demain matin vini, ou je dis ça c'est blanc, ou abdim c'est menti. Mais si chaque jour vini, je dis ça c'est blanc, si son petit monde qui a fait apprendre pour l'oreille, ou abdim dans un moment où dans confusion, ou par contre ça pour faire. Autrefois en Haïti, l'homme t'a grandi, un garçon qui est habillé tant qu'une fille, te rend moins confortable. Quand y a, c'est ça tout le monde a parlé de lui. Dans la télévision, dans internet, c'est ça tout le monde ouais. C'est ça que nous pas t'ai accepté autrefois. Quand y a Livine, tout le monde à l'aise ensemble avec lui. Nous pas remarqué qu'il y a une confusion. Nous pas ensemble avec moi. Nous pas remarqué qu'il y a une confusion. Si sujet moins à souhaiter assez. Une ville qui relève confusion, une cité appelée confusion, a city called confusion. En nous baissant tête nous pour nous capables prier. Non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je suis faible et sans talent. Papa, m'la game nan men ou. Utilisez-m et permettez que message la capable prêcher. Cachez-m derrière la croix et comme ça, les nous sortis ici là nous va transformer. Entends, pardonne, exauce, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'est qui titre sujet nous pour asseoir? Hein? Nous va avec moi. Qui est sujet nous à soi? Une cité appelée confusion. Une cité appelée confusion.
Je ne sais pas si ça va jamais arriver côté ou même ensemble avec un monde, nous sommes à regarder un événement, ok? Nous tous les deux, nous sommes à regarder même événement. Et puis, il y aurait les gens qui sont ensemble avec là pour demander, pour raconter ce qui est passé. Nous tous les deux, nous avons suivi même événement, il y aurait les gens pour raconter ce qui est passé. Quand il y a mon nom, il ajoute dans bagaille là, il mettait sucre pour le bagaille là douce, mais on est c'est ça j'aime rivo. Comme si nous tous les deux nous même bagaille là, après ça mon nom, les moments d'elle pour raconter ça qui passait, il mettait sucre, il mettait du sel, il mettait comme si il mettait épices là-dedans pour le bal goût. Comme si ou même moi demander tête tout, est-ce qu'au parti là les bagailles ça t'est passé. Gien monde frère Maxime, c'est ça au fort là-dedans. Yo qu'on mélanger. Bagay la te met passe devant là ou a mandé est-ce que ou pate là parce que Jean moun a ajouté li mette sucre ak sel nan bagay la. Frère Maxime yo yon ti mélange capable cause en pile confusion. Yon ti mélange capable même cause l'an mort mette pied. Yon ti menti nan sa ki vérité capable cause confusion. Yon ti mélange sa ki bon nan sa ki pas bon capable fatal. On nous prend exemple de l'eau. Nous toute la nous boit de l'eau, pas vrai? De l'eau c'est la vie. Et si on prend un petit crasse mercure pour t'avoir mettre dans de l'eau, il capable fatal, il capable tuer. Autrefois grand pile monde qui mourir en Haïti pour qui ça parce que de l'eau a été mélangé avec qui ça? De l'eau a été mélangé avec choléra. Théorie sur qu'on y a pour yo capable tuer monde ça yo fait, yo mettez poison dans médicament, yo mettez poison dans de l'eau. Et puis ou même qui pas connaît l'eau prend ça, li capable tuyo. Nous dit yon ti menti nan vérité, li capable cause la mort. Ou pas poser tête ou question si Satan t'a va faire même bagarre là? Si Satan t'a va prendre menti li pour le mettre dans vérité ya. Si Satan t'a va prendre bluff li yo pour le mettre dans vraie religion bon Dieu ya. Et frère Maxime yo, c'est ça qui fait. Dans Apocalypse, bon Dieu dévoile à Jean toute mauvais tromperie diable là, toute menti li mette dans vérité yo, tout mélange qui capable cause moi même ensemble avec vous pour nous mourir. Et nous capable dire gloire à Dieu parce que bon Dieu pas jamais lagué petite li sans aide. M'pa konnen sou remarqué qu'on y a tout monde c'est sous Instagram, tout monde c'est sous Facebook. Tout le monde c'est sur Twitter, tout le monde a suivi un monde. They follow somebody. Moun pas suivre Jésus-Christ encore. Tout le monde c'est un monde y a follow Dwayne Wade. Tout le monde a bat bravo pour un monsieur qu'on y a qui dit que li pa garçon encore, qu'on y a li dit c'est Kathleen pour relé. Tout le monde a bat bravo pour bagay sa yo. Et si nous remarquer, nous dans confusion. Apocalypse 12 révélé l'église bon Dieu a. L'église qui pas mélangé avec menti, avec bluff Satan yo. Et c'est ça que fait m'invite pour lire ensemble avec moi dans Apocalypse 12 verset 1. On nous lit ensemble dans Apocalypse 12 verset 1. Alright, n'a lit ensemble. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. En nous faut-il camper là? Qui sa femme n'a représenté dans Apocalypse 12, verset 1? La Bible dit li clair et moi invite pour capable lire ensemble avec moi dans 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2, pour nous lire ensemble, pour nous voir qui sa femme n'a représenté. Si technologique a mis le bon nom. 2 Corinthiens 11, verset 2. Ok, n'appelons ensemble. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie. Nous allons lire ensemble avec vous. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Qui sa femme nan représente? Nous dit femme nan représente la véritable église. Une femme pure qui fidèle à fiancé li. Qui est-ce qui fiancé li? Jésus-Christ. Femme nan symbolise la véritable église qui s'est fiancé Jésus-Christ. Li continue pour dire que femme nan nan les nous tap li nan Apocalypse 12 verset 1, li dit que femme nan li était debout sur la lune et avec si on te ka mettre l'encore pour nous moment ça li représenter c'est époque de l'ancien témoignage Jésus-Christ vini en personne époque qui reflétait la lumière de la gloire du Christ. Femme nan te couronné de 12 étoiles et combien disciples combien apôtres qui étaient ensemble avec Jésus? Jésus te gain 12 apôtres qui étaient ensemble avec lui. So Apocalypse 12 li décrit église pure. Église qui sans tache, l'église qui c'est véritable église là. Dans Apocalypse 17, nous vinn voyons l'autre femme. Une femme qui différent de première femme nous té wè a. Femme ça li pas pure. Première femme nan nous té dit comme ça que li vierge et li pure. Apocalypse 17 vinn montrer nous une autre femme, une femme qui différent de première femme nan. Et m'invite à lire ensemble avec moi dans Apocalypse 17, verset 1 à 3. En nous lit ensemble, Apocalypse 17, verset 1 à 3. Puis, un de sept anges qui tenait les sept coupes, vint, nous pas lire ensemble avec moi, viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. On nous faut dire là. Qui côté fille Achita, les prostituées, hein? Li assise sur les grandes eaux. On nous continue. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et en sept têtes et dix cornes. Dans la prophétie, bête représentée roi ou du moins royaume. Donc nous voyons église qui déchue, qui est dirigée par les rois, les chefs politiques. Femme ça nous voyons dans Apocalypse 17 verset 1 à 3, c'est l'église apostate. Les nous dit apostate, c'est l'église qui renie foi chrétienne ni. On l'église qui fait volte-face. On garde prophétie Apocalypse 17 là ensemble. Nous dit Femme, qui sa femme nan représente? Femme représente qui sa? Femme représente l'église en général. Femme prostituée représente qui sa? Li représente l'église apostate. L'église qui renie foi li. L'église qui abandonne fiancelle pour la faire prostituer. Et femme pure là, qui sa représente? Nous pas ensemble avec moi. Femme pure là, qui sa représente? La véritable église. Nous dit femme prostituée à représenter qui ça? L'église apostate, l'église qui renie foi li. Et femme pure là représenter qui ça? Li représenter véritable église. Yo parlé de eau. Nous te dit qui côté femme nan chita, li chita sur les eaux. Qui ça eau yo représenter? Qui ça les eaux ou mer représenter? On nous voit ça dans Apocalypse 17 verset 15. Eau ou mer pour nous voir qui ça le représente. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules et des langues. So, qui ça a représenté?
L'eau représentait peuple ou nation. Les rois de la terre représentaient bien sûr les dirigeants politiques. Et il dit comme ça, femme nan gen du vin, la fait moun yo enivré, la fait yo sou. Les nous dit sou, nous t'es capable dit moun yo trop yo ba o menti, yo trompé. Même Jean alcool fait moun sou, fait moun perdre bon sens yo, eh bien moun yo té sou spirituellement. Et nous dit du vin, c'est faux enseignement que femme prostituée a ta partagé. Est-ce que nous voyons image là? Est-ce que nous voyons image là? Est-ce que nous comprenons? Église apostate là, ça le fait. Église apostate là nous dit ces femmes prostituées, hein, li kite fiancelle qui c'est Jésus pour la dominer sous de nombreuses eaux. Nous dit oyo qui ça le représenter? Personne, peuple. Femme n'a le dominer sous plusieurs monde. Il dit femme ça a commettre impudicité avec puissance politique, elle a fait des ordres ensemble avec puissance politique yo, avec les rois de la terre. Véritable église là lui-même li unil ensemble avec Jésus. Est-ce que nous là ensemble avec? Véritable église là uni avec Jésus, femme prostituée li unil ensemble avec les chefs de la terre. So nous ouais l'église unie ensemble avec les chefs politiques, ils viennent en bas pouvoir l'État. Mais l'on unit ensemble avec Jésus, ou en bas pouvoir qui est? Ou en bas pouvoir Jésus? Qui j'en femme prostituée a relé? Est-ce que femme prostituée a gagné ou non? Dans Apocalypse, nous ouais, en nous lisant Apocalypse 17, verset 5, nous voyons qui j'en femme prostituée a relé. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Qui j'en femme dans relé? La mère des impudiques et des abominations de la terre. So nous dit, dans Apocalypse, nous avons femme prostituée à relé Babylone. Qui ça système babylonien représenté? Qui ça qui fait système ça, c'est menti que la balle. Et pour qui ça, la Bible utilise terme Babylone? Nous posons trois questions. Nous dit qui ça système babylonien représenté? Qui ça qui fait système ça, c'est menti que la balle? Et pour qui ça, la Bible utilise terme Babylone? Si nous retournons dans l'Ancien Testament, côté bon Dieu te dit à l'humanité, que l'ipap détruit encore par déluge. Nous parlons si nous songeons histoire ça. Cependant, il y a des hommes qui ont besoin de mettre en sécurité. Ça a été dit, ils ont dit comme ça, nous faisons un tour côté si déluge à ta va venir, nous capables en sécurité. Et ce qui ça bon Dieu t'a fait? Il t'a mis confusion dans l'angle. Tout ça t'a relé tour de Babel. Et bon Dieu te mette confusion dans la langue monsieur Sao. Ville ça te bâti tout près tour de Babel. Te gen un homme du yon nom méchant qui te relé Alexandre le Grand. Li te gen en pile pouvoir. Et ça te vle fè, li te vle comme si li prend soldat yo pour yo te capable craser tout ça, pour yo te capable reconstruire. Mais pour juste Alexandre le Grand mouri, li pa gen tan jam fè ça. Babylone commençait dans tant côté bon Dieu te mettait confusion dans langue. Bon Dieu te mettait confusion dans langue dans tour de Babel. Terme Babylone signifie confusion. Bon Dieu dit yon bagay, c'est ça nous te dit au commencement. Si on comme si bon Dieu dit yon bagay, les hommes dit pa yo et ça vient mettre confusion. Babylone c'est cité ou ville qui relait confusion, qui représentait ça qui t'est passé. Les vérités bon Dieu t'est remplacé par enseignement les hommes. So là où est vérité bon Dieu remplacé par enseignement les hommes, ça qu'a passé, a gué confusion qu'a metté. Babylone représentait voir les hommes mais pas voir bon Dieu. Babylone représentait tradition les hommes mais pas parole bon Dieu. So dans Apocalypse nous ouais deux systèmes religieux. Bah connaissez nous là ensemble avec moi. Dans Apocalypse, nous avons deux systèmes religieux. Nous avons vérité qui sortit dans Jésus-Christ
et nous voyons erreur ou menti qui sorti dans Babylone. Nous disons ça dans l'Apocalypse, nous avons deux systèmes religieux, pas vrai? Vérité qui sorti dans qui ça? Nous pas ensemble avec moi. Vérité qui sorti qui côté? Et menti, erreur qui sorti dans qui ça? Dans l'Apocalypse, nous voyons route bon Dieu qui mène dans la parole. Et nous voyons route les hommes qui mènent dans la tradition par eux. Dans l'Apocalypse, nous voyons une femme qui vêtue de blanc. Une femme qui gagne le blanc sous lui. Qui représentait la pureté apostolique. Vraie doctrine, parole bon Dieu. Véritable évangile de Jésus. Nous voyons tout dans l'Apocalypse, une autre femme. Yon femme qui pa gen rad blanc sou li, mais qui gen yon rad, yo di, yon rad poub qui représente confusion, apostasie, rébellion contre Dieu. En nous li ensemble avec moi dans Apocalypse 17, verset 4, qui décrit femme qui gen rad de poub la sou li. En nous li Apocalypse 17, verset 4. Li décrit femme qui gen rad de poub la sou li. Apocalypse 17, verset 4. En nous li ensemble. Femme nan te gen ki sa nan men li? Yon coupe d'or. Est-ce qu'on pa mande ki sa ki te nan coupe d'or sa? Ki fo doctrine femme sa ta passe kon sa? Coupe Jésus-Christ a mené moi même ensemble avec ou vers le salut. Psaume 116 verset 13. Coupe femme prostituée a te gen yon du vin ka fè moun sou. Vin de Babylone qui différent de l'évangile de la grâce. Malheureusement, grand pile moun k'ap boire nan du vin ça. Et yo sou yo pa remarqué ça. En pile moun te getan boire nan du vin. Apocalypse getan dit, ap gen des milliers de moun k'ap séduit nan faux enseignement ancienne Babylone k'ap entré en dans l'église. En nous tourné nan ancienne Babylone konsana wè tout faux enseignement qui nan du vin fòm ça. Femme dans du vin côté elle t'a partagé ensemble avec plusieurs monde. Qui premier menti qui dans coupe du vin femme ça? Qui premier menti que femme ça t'a partagé ensemble avec? Premier menti c'est tromperie Satan sous parole bon Dieu. Bon Dieu dit un bagaille et Satan dit pas lui. Premier chrétien yo t'ai placé confiance yo totalement dans bon Dieu. Yo t'ai croire dans bon Dieu totalement. Mais ancien Babylone, qui sa yo même yo tap adoré? Yo tap adoré soleil au lieu de bon Dieu. C'est roi qui te gen la voix au chapitre. Tout sa roi dit, c'est ça. Roi depuis le dit un bagay, li représente la loi. So, ancien Babylone, au lieu que yo tande bon Dieu kap pale, yo tande roi kap adoré soleil, et gen pile moun ki tap adoré soleil, et depuis roi dit un bagay, c'est la loi. Parole les hommes, premièrement, ce qui gagne, c'est que parole les hommes vient remplacer parole bon Dieu vivant. Dans la lutte qui gagne entre le bien et le mal, la Bible déclare dans 2 Timothée 4, verset 3 et 4, et que m'a demandé pour nous lire ensemble, dans 2 Timothée 3, verset 3 et 4. De Timothée 4, verset 3 et 4. Monsieur, tu peux mettre le pronom, s'il te plaît. On nous lit ensemble dans 2 Timothée 4, verset 3 et 4. Gayon écrivain dans moyen âge qui dit que le christianisme était alors devenu populaire et une grande partie, peut-être une grande majorité de ceux qui l'avaient embrassé n'en portaient que le nom. Ils sont païens qu'ils ne l'étaient auparavant. L'hérésie et la corruption envahissent l'église comme une inondation.
qui ça du vin Babylone nan te gen là-dedans? Du vin Babylone nan te gen erreur et corruption. Et qui ça cap entrer dans l'église? Qui ça cap entrer dans l'église, c'est erreur à corruption. Tout le monde a détourné yo de parole bon Dieu hein? Et puis yo sous en bas du vin femme nan. Moun sa yo y a coûté voir les hommes au lieu que yo coûté voir bon Dieu. Et qui ça qui sanctifie moi-même ensemble avec vous-même, c'est parole bon Dieu a. Dans Jean 17 verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. So premièrement, il nous dit qu'il était dans coupe du vin fia, c'est voir les hommes te remplacer voir bon Dieu. Au lieu que yo coûté voir bon Dieu, yo coûté voir les hommes. Qui deuxième tromperie, qui deuxième menti qui était dans coupe du vin? C'est menti Satan sous salut moi-même à vous-même. Nous sommes dit que Babylone ça le fait, il prend parole par les hommes pour remplacer par parole bon Dieu. Dans Daniel 4 verset 30, roi Nebuchadnezzar l'a regardé Babylone, il dit gardez Babylone que me fait avec propre force moi, avec propre courage moi. Et les hommes viennent penser que avec connaissance yo, avec orgueil yo, yo capable créer. Nebuchadnezzar a dit mais ça li fait avec courage li, avec force li. Mais moi même ensemble avec vous en tant que chrétien, nous reconnaître que rien pas sorti de nous-mêmes. Salut nous sorti dans Jésus-Christ et dans Jésus-Christ seul. L'évangile grâce bon Dieu a ça le fait. L'évangile grâce bon Dieu a li détruit orgueil que moi même ensemble avec vous gagne pour faire nous reconnaître que nous si nous sauver c'est grâce à Jésus-Christ. Nous reconnaître que seulement les nous accepter la croix, les nous repentir et nous venir à Jésus, c'est laisse à moi-même ensemble avec nous capable sauver. La Bible dit dans Romains 3 verset 24 que gratuitement nous justifier par grâce et par moyen Jésus-Christ. Babylone lui-même lui dit qu'on ça que ou capable sauver à travers zèvre, à travers son fait capable et d'eau pour sauver. La Bible dit moi-même ensemble avec vous vini Jean-Nouéa et bon Dieu, Jésus-Christ lui-même l'a sauvé nous. L'église apostate là, l'y remplace la croix Jésus-Christ par les œuvres. Dans Apocalypse 1 verset 5, il dit péché nous yo, yo lavé dans sang Jésus-Christ. Si nous remplacer orgueil nous yo et nous remplacer par humilité, par humble, comme ça nous capable venir devant Jésus-Christ. Dans Genèse 11 verset 5 à 9, nous voyons qui Jean Babylone t'a offert salut. À Babylone t'a offert salut. Yo pensait que les avec propre force yo, l'homme comme si travail que eux-mêmes yo capable faire, ça capable sauver eux. So nous dit dans coupe du vin, premièrement qui premièrement dit que t'es là-dedans. C'est les paroles bon Dieu remplacées par paroles les hommes. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Premièrement, c'est que parole bon Dieu remplacée par parole les hommes. Deuxièmement, c'est que Babylone dit comme ça que ou ka sauver avec travail qu'on fait avec zèvou yo. Mais nous voyons que nous capable sauver seulement par Jésus-Christ. Qui troisième tromperie que femme nan t'a porté? Qui troisième menti que fille a t'a parlé de lui? Troisième tromperie, c'est tromperie Satan au sujet intercession. Moi-même ensemble avec vous, les nous besoin prier, les nous besoin demander bon Dieu pardon, nous passer à travers Jésus-Christ. Qui ça Babylone lui-même lui dit? Babylone dit comme ça que sou prend yon ti, sou aller côté yon prêtre, sou prend yon ti statue, sou prend yon icône, n'importe sou prend et pour ou aller prier. Et puis il est capable d'aider pour capable joindre pardon. Babylone te gen plusieurs statues et chaque bagaille ça yo yo te représenté yon bagaille. Dans 1 Timothée 2 verset 5 il dit comme ça que gen yon seul médiateur et médiateur ça qui j'en relais Jésus-Christ. La Bible dit que m'pas besoin aller côté bon Dieu par yon statue, par yon icône, par yon idole ou du moins par yon saint. Jésus-Christ c'est médiateur et à travers Jésus-Christ on capable venir côté bon Dieu. Nous pas besoin yon père, nous pas besoin yon petit statue,
mais à travers Jésus-Christ, nous capables de jouer pardon pour péché nous. La Bible dit, si mon so image, si mon so statut ça yo, m'a pas besoin yo parce que m'gagne Jésus-Christ. Nous pas besoin Saint-Pierre, nous pas besoin de Saint-Anne, nous pas besoin Maman Marie pour nous venir devant bon Dieu parce que Jésus, lui, c'est seul médiateur nous. C'est malheureux pour nous, ouais, qui j'en l'église qu'on y a à imiter bagay ça yo. Si mon so statut a entré dans l'église, si mon so bagay a entré dans l'église, bagay ça yo, c'est menti. Babylone, c'est du vin, c'est faux enseignement Babylone à bord, et puis ou pas remarquer qu'au sous. Jésus-Christ, c'est lui-même seul qui est capable d'intercéder pour moi-même ensemble avec vous-même. Vois mon Dieu, dis-moi que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est intercesseur pour moi. Vois les hommes doux, c'est ti image, ti lot, ti statue, c'est eux pour gagner, pour capable d'intercéder pour vous. Quatrième tromperie pour ces derniers tromperies que nous parlons, sauf à nous, trois tromperies. Première tromperie, nous dit comme ça que voix les hommes viennent remplacer voix bon Dieu. Deuxième tromperie là, c'est que il dit comme ça que ou capable sauver avec zèvouyo. Troisième tromperie, il dit comme ça que ou pas besoin Jésus-Christ pour intercéder pour. Est-ce que nous là ensemble avec? Est-ce que nous tromperie? Est-ce que nous menti? Premièrement, il y a qui ça nous dit? Voir les hommes remplacer voir bon Dieu. Est-ce que nous là? Voir les hommes remplacer voir bon Dieu. Deuxièmement, il y a qui ça lié? C'est vous qui a sauvé. Et troisième tromperie, qui ça lié? Intercession. Quatrième tromperie, du moins quatrième mentir. C'est menti sous jour sabbat. Satan qui ça le fait? Satan vini ensemble avec culte du soleil. Côté tout le monde a adoré soleil. Et m'ta remet technologie mette Ézéchiel 8 verset 16 pour nous sur écran. Ézéchiel 8 verset 16 qui ça lui dit? Ézéchiel 8 verset 16. Babylone vini avec adoration. Jou soleil plutôt que c'est jou bon Dieu. Si nous gagne Bible nous ensemble avec moi, on nous lit dans Ézéchiel 8, Ézéchiel, pas Esdras, Ézéchiel 8, verset 16. Si nous gagne, on nous lit pour nous voir ça, Ézéchiel 8, verset 16, dis-nous. Si nous jeûnons, on dit Amen, ok. Et il me conduisit dans le pavis intérieur de la maison. Nous lis ensemble. Et il me conduisit dans le pavis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel. Qui côté monsieur ça a été posterné? Ça nous remarquer monsieur ça a bay temple en dos pour yo adorer soleil. Konyen a gen plusieurs côtés mon a adorer soleil. Gen plusieurs pays côté mon a adorer soleil. Konyen a au lieu que yo adorer soleil, yo vinn faire adoration pour jour du soleil. M'pa konnen sou la ensemble avèm. Yo pa mette à genoux devant soleil là. Mais yo fait culte pour jour du soleil. Sunday, the day of sun, nous wè jour du soleil. Sa femme nan fait, femme nan ba ou du vin, yo bwè yo sou, pou yo pense yo pa adorer soleil là, mais yo fait culte pour soleil qui célébré le dimanche. Introduit dans l'église, nous wè dans Daniel 7 verset 25. Yo pensez que yo capable changer le temps et la loi de Dieu. Église apostate là ça le pourrait faire, li pourrait changer temps, li pourrait changer la loi bon Dieu. Adorer soleil fait partie culture païenne. Konyea yo introduit dans l'église yo. Nous wè changement ça pas sorti dans bon Dieu, li pas sorti dans la Bible. Les hommes a adoré soleil, yo fait culte pour soleil.
père catholique, un père catholique qui est au Boyen, qui fait qui dit une parole. Il dit que soleil là c'était Dieu principal. En pile monde a adoré soleil là. Mais qu'on y a au lieu que pour moun yo adorer soleil là, pour faire moun yo adorer soleil là, yo pas adorer, mais ça au fait, yo vin ensemble avec adoration pour jour du soleil. Moun a adoré dans dimanche, dans Sunday pour li l'a adoré bon Dieu, mais l'a adoré soleil là. Pa yon te kon adore le dimanche. Babylone vle moun adore soleil la. Yo vini ensemble avec li en dans l'église. L'église accepte jou dimanche lan. Yo intégré l, y a bwè du vin Babylone sans yo pa remarqué ça. L'église méprisé la loi bon Dieu. Et Daniel te prophétisé sou bagay sa. Yo pensé que popularité yo, autorité yo, yo capable changer la loi bon Dieu. Est-ce que yon l'église qui a changé la loi bon Dieu? Est-ce que yon l'église qui a changé la loi bon Dieu? Frère Maxime yo. Dans Hébreux 13 verset 8, il dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Malachi 3 verset 6, il dit, c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Est-ce que yon l'église capable de changer la loi, bon Dieu? Bon Dieu, avec Meli, li écrit commandement yo, avec droit li pour montrer importance yo. Et dans Exode 20, verset 8 à 11, nous voyons comment bon Dieu lui-même li créé tout bagay. Qui ça sabbat représente? Sabbat, c'est jour mémorial. Jour mémorial de la création. Si ou abolit sabbat l'Éternel là, c'est comme si tu éliminé la création. C'est comme si tu éliminé Genèse 1er verset 1 à 11. C'est comme si ou tu éliminé autorité la Bible ou tu éliminé les 10 commandements. Sou abolit 7e jour, c'est comme si dit Jésus-Christ ou a fait menti ou pas te créé rien. Babylone a dit que sabbat l'a éliminé. Il a dit comme si c'est bon Dieu, c'est menti la bête. Bon Dieu pas te créer toute bagaille en 6 jours. Pape Jean-Paul II dans un message, il dit comme ça que il acceptait théorie de évolution. Nous connaissons théorie évolution, c'est que il dit comme ça que moi même ensemble avec vous, nous sortis dans macaque, nous évoluer. So, si Pape Jean-Paul II dit comme ça que nous évoluons, c'est comme si on te dit comme ça, bon Dieu pas te créé. Et l'autre dit bon Dieu pas te créé, ou dit que ça bah bon Dieu a lui-même li pas existé. Est-ce que nous ça passé a? Bah connais si nous là ensemble avec moi. Est-ce que nous ça passé a? Pape Jean-Paul II dit comme ça que nous sortis dans évolution. Moi même ensemble avec vous, nous sortis dans singe. C'est comme si bon Dieu lui-même l'a pas créé. Et si on dit bon Dieu pas créé, ça va, l'a pas là tout. On nous lit dans Apocalypse 14, verset 6 et 7. Apocalypse 14, verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. On nous lit ensemble. Ayant un évangile éternel, l'évangile éternel qui voulait dire parole bon Dieu toujours vrai. L'évangile éternel qui veut dire parole bon Dieu pas jamais changé. Pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. À nous faut-il camper là. Pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'idée évangile là, c'est un évangile qui est éternel. So, si Babylone, ou du moins femme prostituée, l'y changer, est-ce que c'est vérité la parler? Est-ce que c'est vérité femme n'a parlé? Et puis, il dit comme ça, il continue, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel,
la terre. Nan moment sa yo, chef religieux yo sa yo fè, yo vin ak théorie évolution. Yo di, mwen menm ensemble avec ou, c'est évoluer nous évoluer. Et nous wè évangile papa bon Dieu, évangile parole, les saintes écritures, c'est un évangile éternel. Les chefs religieux ap nié l'histoire de la Bible. Et nous même mwen menm ensemble avec ou ki gen crainte pour bon Dieu, nous connaît que bon Dieu t'a créé toute bagaille en 6 jours. Et il était reposé septième jour. Parce que Bible m'a dit que pour m'adorer bon Dieu qui crée toute bagaille là, et me pas sorti dans ma cac, sont choisi pour me faire pour mettre confiance moi dans la Bible. Qui gens pour nous adorer bon Dieu ça? Qui gens moi même ensemble avec vous nous doit adorer bon Dieu ça? C'est pour nous accepter parole. C'est pour nous obéir au lieu de nous obéir à ça les hommes dit. C'est pour nous accepter sabbat qui c'est symbole puissance créatrice. Nous voyons dans sabbat nous voyons que bon Dieu créé toute bagaille en 6 jours. C'est pour moi même à coup nous dit nous pas boire dans du vin Babylone là. C'est pour nous dit nous pas adorer soleil là et ni nous pas faire culte pour soleil là. Dans Ézéchiel 20 verset 20 il dit sanctifiez mes sabbats parce que sabbat c'est un signe entre moi même ensemble avec nous même pour connait que c'est l'Éternel qui bon Dieu nous. Qui est-ce qui bon Dieu frère Maxime? Qui est-ce qui bon Dieu? Est-ce qu'on va faire culte pour soleil là ou du moins on va observer le sabbat de l'Éternel? Sabbat non c'est un signe qui dit que c'est l'Éternel qui bon Dieu. Matin m'a tête à soir m'a tête tout qui est-ce qui bon Dieu? Dans Apocalypse 17 verset 5 il dit que femme là il te gagne un nom qui écrit sous lui un nom un mystère il dit Babylone la mère des impudiques qui ça yon maman maman gagne petite pas vrai la mère des impudiques dans faux système religieux ça l'église apostate là te gagne en pile l'autre l'église qui sorti là-dedans en pile sorti là-dedans yo. Femme nan c'est maman impudique yo, tout mauvais bagay yo. Père O'Brien dit que yon prêtre catholique li dit comme ça que gen pile protestant qui était ensemble avec catholique mais qui protest against them pour yo capable de faire religion pa yo. Yo tan kou yon ti moun k'ap kouri de maman et puis ça le fait, li dit pa vle maman lui et puis il prend photo maman pour la garder de temps en temps. Ou du moins la courir de maman pour qu'elle change maman, li taille cheveux maman pour capable sentir de temps en temps. Li invite tout moun yo, li dit comme ça que sabbat li biblique, mais dimanche li pas biblique. Li dit comme ça ou même qui quitte dimanche pour aller faire l'église pas, li dit on nous retourner, vinn joindre l'église mère là. Vinn joindre l'église maman. So ou ka penser que ou pas dans l'église catholique. Mais ou toujours fait partie ou toujours fait partie Babylone parce que ou toujours kembe même principe là. Père O'Brien invite tout le monde qui quitte l'église catholique pour capable retourner pour capable venir joindre maman yo parce que il dit autant pour yon ti moun k'ap courir de maman et puis ou gen photo maman de temps en temps maman pour capable garder. Qui ça pour observer à soir? Est-ce que vous observez parole bon Dieu, observez parole bon Dieu, la loi bon Dieu, ou du moins soit côté voir les hommes? La Bible dit moins pour me tendre ça bon Dieu dit. Les hommes dit pour marcher selon principe. Li dit nous marcher avec la Bible, pas observer dimanche. C'est comme si l'observer ça les hommes dit. Ou vin observer, ou vin ap marcher en bas autorité les hommes, ou kembe puisse en principe les hommes. Ou tant kou yon ti moun, c'est ça nous sot dit tout à l'heure, yon ti moun kap éloigné de maman, mon toujours gen photo maman nan mon. Dimanche c'est un symbole que ou toujours lié ak l'église mère là. Nan du vin ça, du vin que femme ça a partagé.
Femme nan fait tout moun sou et puis yo pa remarqué ça. Bon me raconter yon ti bagay qui t'est passé. Pour wè ki jan parole ka capable cause problème. Nous dit mélange parole comme si l'on prend une parole ou mélange elle, li capable cause confusion, li capable tuer. Madame moi qui rele mon lè qui dit pendant m'ta balé, li dit comme ça chéri prête me balé à reconnaissez mon en Port-au-Prince parler tant que mon en Gonaïve parler tant que mon Port-au-Prince li dit prête me balé à pour mal propreté qu'on y a gon monde qui était là li dit comme ça que ah madame mourait le mal propreté oui c'est juste pour capable faire parole la changer et si nous remarquer c'est ça Babylone fait li changer parole bon Dieu hein pour capable bon mentir et puis ou même pour prendre mentir yo ça Babylone fait Babylone remplacer autorité les hommes pour capable mettre le pire au passé bon Dieu. Il dit que les œuvres les hommes plus important passé sacrifice Jésus-Christ là. Dans du vin ça, Satan dit qu'on ça image, statue soit les côté père, li capable yon intercesseur pour ou au lieu que c'est Jésus-Christ. Il dit que dimanche jour de l'homme plutôt que sabbat. Sabbat qui sanctifié, jour béni de l'Éternel. Apocalypse 18, verset 4, il dit, on nous lit ensemble, Apocalypse 18, verset 4. Et on nous mettait sur l'écran pour nous capables de lire ensemble. Apocalypse 18, verset 4, qui ça le dit? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de pas à ses fléaux. Assoya, frem, zamim, bon Dieu, poussez un appel. Il dit comme ça que en nous sortit dans mi temps Babylone. Ou capable remarquer ça, ou capable sentir ça, parce que sous ensemble avec du vin. Bon Dieu dit comme ça, sorti dans mi-temps yo, parce que pour pas participer dans fléau yo. Gen, même si tu as oublié tout ça me dit à soir, mais songez gen deux systèmes religieux. Gen deux systèmes religieux. Yon qui pas vrai ou du moins yon qui faux et yon qui vérité. Chaque fois, ce système qui fondé sur le système babylonien. Nous dit qu'il y a deux systèmes religieux. Il y a un qui est vrai ensemble avec un qui est faux. Ça qui est faux, fondé sur le système babylonien. C'est voir les hommes. Voir les hommes, c'est lui qui a autorité. Ça père ou dit, ça pasteur ou dit, c'est ça qui a autorité. Ça chef politique ou dit, c'est ça qui a autorité. C'est œuvre les hommes, c'est la loi des hommes, c'est tradition des hommes. L'autre système non nous dit c'est système qui est basé sur vérité. C'est parole bon Dieu, c'est les saintes écritures, c'est lui qui est capable enseigner, c'est l'amour bon Dieu qui est capable sauver, c'est la loi bon Dieu qui gagne importance. So mes deux systèmes religieux. Système qui est basé sur menti avec système qui bâti sur vérité. La Bible dit nous pour nous capables sortir dans système mentir. Il dit sortir dans Babylone peuple moyen pour nous pas participer dans fléau yo, pour nous pas participer dans ça dans ça qui pour venir pour yo. Me songe l'aime t'a grandi au Cap Haïtien en face on t'était rété Vertière. T'es gagnon c'est qu'un monsieur qui t'a aimé boire alcool, c'est ça monsieur t'a qu'on fait. Et de pourtant des gain bal, tout mon habillé très fin pour yo capable d'entrer dans bal. Mais lui-même à cause que li sous la boue, comme si li pas remarqué que li sale et puis pour contre li campé devant la danser, la fait un pile tintin et puis gain de temps il paraît devant lui dire ça, madame, apportez-moi une bière. La parler pour contre lui pour lui penser là-dedans.
nous pas dans bal, mais ça qui est important c'est que lorsqu'on est en bas du vin Babylone non, ou qu'a pense dans vérité et pourtant on a menti. Femme nan a séparé du vin et dit grand pile monde qui boit là-dedans. Sous senti que en se attend pour moi-même. Ou senti que ou nan Babylone ou pas voulez participer nan vin Babylone non. Moi invite vous capable en camper à soir parce que nous pour prier, nous pour l'inviter pasteur pour l'avancer pour prier ensemble avec nous. Parce que nous pas t'aimer participer dans fléau Babylone yo. En nous camper sous senti que moi même ensemble avec vous. Nous fait partie d'un bois du vin femme nan et nous pas t'aimer sous, nous t'aimer bon Dieu sauver nous. Si c'est volonté ou, moi invite vous à camper ensemble avec moi à soir. Pasteur a pas avancer pour le capable prier si c'est volonté ou sous senti ou même j'entends pour moi même à soir. Moi invite au à camper et pasteur a pas prier ensemble avec nous. L'aime fait venir aux États-Unis. Un cousin nan c'était chrétien tout, il était adventiste et il était décidé pour être capable quitter l'église. L'aime fait venir ici, cousin nan était toujours après l'aime. L'a invité nan club, a invité nan programme. Mais m'était toujours peur pour m'était aller. Parce que m'était toujours temps de voir bon Dieu qui a parlé ensemble avec moi. Et cousin nan lui-même, il était en fait volte face, il était en baldo. Un jour samedi soir, il était invité nous. Et pour pas bon mentir m'était aller. Les malais, ça t'est tellement intéressé que me dit ça que chaque vendredi, chaque samedi soir me pour aller. Un jour vendredi soir, il relèm, il t'a invité pour me aller ensemble avec lui. Il t'a relèm moi-même ensemble avec femme non, lui même il toujours aller ensemble avec un ami lui. Pendant le relèm vendredi soir, me dit ah, à soir c'est ça bal l'Éternel là pas pour aller. Il dit ah, pour qui sont pas aller? Bon qu'on aller vendredi samedi soir et me bal raison sur moi. Me dit non pas pour aller. Me dit moi ouais si c'est moi qui t'ai ou même tout, me pas ta pour aller. Il dit moi ça que m'a passé vinn chercher sou pa vle ou pas ou va pas aller. Me dit OK. Et pendant m'tap tanni pendant nuit là, il pas jamais venu. En demain soir, me pas attendre elle. Quand il a l'aimer l'elle, il dit c'est l'hôpital li ensemble avec un autre ami parce que jour soir ça lui même tout, l'aime te fin dit pour pas aller. Il était choisi pour pas aller mais il y en a un milieu t'aller pendant t'aller yo tuel yo balbal elle était l'hôpital très grave malheureusement zami a été mort. Des fois nous avons tendance à côté voir les hommes qui parler nous plus tant des fois les hommes au lieu que nous tendre voir bon Dieu jour soit ça si m't'aller si cousin m'n'a t'aller bien peut-être nous tout t'ca mourir. Nous tous t'es capable mourir, mais bon Dieu choisit pour t'es capable sauver nous. Et cousin ça a quitté l'église, qu'on y a retourné l'église, l'y baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Plusieurs fois n'a pu te voir les hommes, mais bon Dieu invite à soir pour capable t'en dévoiler, pour sortir dans Babylone pour pas participer dans fléau. Si c'est volonté à soir. En nous camper pendant pasteur après le prier ensemble avec nous. Let us bow our heads and close our eyes for prayer. Father, you have spoken tonight. Your word was loud and it was clear. The world we're living in is a confused place. Sadly, many who are in the church are confused. Father, tonight we come, we're asking for your light to shine in, for your light to clear our own personal confusion. A lot of us, Father,
were confused about what it means to be true Christians, faithful Christians. We're confused about what it means to follow Jesus all the way. But Father, tonight we come confessing our confusions. We come asking for you to hit us with the light of the truth as it is in Jesus Christ. There are souls that are wrestling right now with the words that were spoken tonight, with the truth that was expounded and exposed tonight. And I pray, Father, that your spirit will continue to wrestle with these souls until they give end to you. The plagues that is reserved for those who worship the beast, for those who are in Babylon, for those who have completely given up on Christ, they are serious. The world have not yet seen it. Ebola doesn't come close. AIDS does not come close. They're far worse. Father, tonight I'm asking you to seal your people right now. Write our names in the Lamb's Book of Life. Every true believing Christian, every faithful Christian, write their names and seal their cause right now in Jesus Christ. So that, Father, when that day comes, when you shall stand in the temple and say, he that is unjust, let him be unjust still. He that is just, let him be just still. So that we, Father, might be counted among the righteous. We might be part of those who are going to march in on that faithful day when Jesus comes again. Father, please, before the four winds of Revelation chapter 7 break, before trouble comes upon this world, Father, you need to seal as many as you can, save as many as you can. And this is why the angel speaks with a loud voice, preaches the gospel with a loud voice, because he knows if he doesn't give this final message, souls will be lost, souls will be left in confusion. Tonight, Father, we're asking you to please wrestle with those that are wrestling with the truth. Those who love the lie more than the truth, shake them as much as you can so that they can come to the truth, gracious God. The truth that is Jesus, his death, his resurrection, and his soon to come again. And he has warned us not to worship the beast, nor to receive the mark. Oh, Father, tonight, I beg of you, I'm pleading with you, do this for every single person that is under the sound of my voice. Do this for myself. Do this for all of us so that, Father, when that day comes, we can go with you. Forgive us for our sins. Cleanse us from all unrighteousness. Our young people are exposed to this confusion early on, as early as first grade and elementary and kindergarten. They're starting to teach them this foolishness. But Father, we're asking that you will help the parents to be faithful to the cause of God. They will teach these kids the things of God. And the Bible says, teach them, raise them in the way that they should go when they are old. Oh, by God's grace, they will not depart from the truth. Father, be with us tonight. Lead us home as we go to our separate places. Protect us. Give us power over the enemy. Give us power over our sins. And we know in Jesus' name there is unlimited power. And we ask for all this in his name. Let everyone say, amen.